Bonjour. Hello les capucins. Nous sommes le 2 février, vendredi midi. Ouais, vendredi. Vendredi 14h plutôt. Oui, 14h. Le 2 février. Oui. Et là, nous allons en commission. Oui, aux commissions. Aux commissions, au Cora. Bah, j'allais dire, on sait toujours pas si on va au Cora ou au Leclerc. Ah, bah, j'avais cru que t'avais dit qu'on allait pour le Leclerc. Je serais bien allé au Cora, mais bon, ça vous intéresse pas les retours de course Cora. Donc, Moi, peu m'importe. Peu importe. Je préfère le Cora. Donc, si ça leur plaît ou que ça leur plaît pas. Bon, bah, alors on ira au Cora. Voilà. Non. La messe est dite. Donc là, je me tâte. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais il aura le temps de réfléchir de son oui. Trajet. Mais tes godasses, tu veux les acheter quand? Enfin, si on les achète. Ben, aujourd'hui. Parce que Robin veut s'acheter des godasses. Il veut s'acheter des grolles. Des pompes. Oui. Ben, quand je peux. Hein. C'est-à-dire, je pars pousser à 500 ans l'ouverture. Hein. Oui. Mais on y va avant les commissions ou après les commissions? Bah, peut-être plus après, parce qu'avant ça va faire chier le monde, je pense. Donc après les commissions? Bah, je pense. D'accord. Oui. Bon, s'il n'y a pas de surgelé, oui. Oui, c'est ce que je veux dire, s'il n'y a pas de surgelé, hein. Mais parce bon. Que s'il y a des surgelés. C'est pas noté sur la liste, hein, les surgelés. Donc... Mais normalement, il n'y en a pas. On vous reprend après dans le lieu qu'on aura décidé. Comme suit fonction. C'est un mini-vlog aujourd'hui, hein. Voilà. Vraiment. Mini, mais appréciable quand même. Ainsi fonction, somme toute. À tout à l'heure, les capucins. Bon, bah, du coup, on sort d'action, il n'y en avait pas. Après, j'ai jamais été fan de cette action. C'est une action qui se trouve à Belfort. Il n'y a jamais rien en fait. Et il est très très mal agencé. Je vous jure, on est collés les uns aux autres dans les rayons. Mais j'ai tenté quand même parce que celui-ci est près du Cora. Parce que là, nous sommes près du Cora. Bah oui. Et là, du coup, on va aller chez Intersport pour Robinus. Ouais, exact. Parce que le pauvre Robinus, il a plus de chaussures. Enfin, si, il a beaucoup de paires de chaussures. Bah, j'en ai une petite stade. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce qu'en fait, regardez les chaussures qu'il met. Des baskets, elles sont jolies. Hein, mais... Ben, en fait, elles sont bas stock. Mais pas avec tout. Donc, il aimerait des petites chaussures qui vont avec tout. Donc, eh ben, on va vous montrer. Bon, les abonnés, donc là, du coup, on va aller faire les courses au Cora. Oui, moi, j'ai trouvé une paire de chaussures Levi's. Oui, alors Robin a trouvé une belle paire de chaussures Levi's, donc comme vous avez pu voir dans la séquence d'avant, chez Intersport. Oui. Donc au moment, enfin en fait, j'ai donné mon compte fidélité, elle l'a retrouvé, je lui ai dit, c'est vrai que à Montbéliard, l'autre ville près de chez moi, il ne la trouve jamais. Oui. Et puis Robin, il était absent, je lui ai dit, tu te rappelles pas qu'une fois je l'avais donné? Puis Robin était comme ça. M'en souvenant pas. Et puis... Je me suis dit, il se rappelle jamais de rien. Bah, moi, je me suis dit, j'attendais juste qu'elle me dise, allez-y, payez, et puis, pour payer, en fait, mais. Sandra Papillon, si elle était là, qu'est-ce qu'elle dirait? Les points fidélité, ça n'existe pas, peut-être. Oui, mais la pauvre gamine, elle ne, peut-elle faire de plus? Bah, rien de plus, mais je lui ai juste dit que c'est vrai qu'à Montbéliard, il ne retrouve pas souvent mon compte. Peut-être qu'elle m'aurait dit quelque chose du style, bah oui, ouais. Elle n'était pas activée, votre carte, ou. Bah bon, d'après Robin, c'est jamais important. Elle a entendu. Voilà. Alors Romain, si vous avez un problème, ou alors si vraiment il faut se souvenir d'un détail, ne lui demandez pas. Hein. Alors là, pour le coup, je retiens l'essentiel. Ah franchement, des fois il y a des trucs. Oh, c'est pas vrai celui-ci là. Mmh. Et puis ensuite, il me fallait du coup un collier pour les yeux. J'étais dans la pharmacie, il n'avait pas. J'ai dit bon bah, il y a rupture nationale. J'ai dit c'est pas vrai cette histoire là. Mmh. Oh. Oui. On est rentré dans la pharmacie, Robin il était tout de suite en caisse alors que moi je voulais regarder les gels pour le visage. Alors Denis l'a tout de suite mal pris. Au lieu de me dire simplement, attends j'aimerais voir un truc, tout de suite c'est attends. Ben, je dis à Robin, je dis attends, je regarde pas. En fait il a pas de demi-mesure, il peut pas dire simplement, attends j'aimerais regarder ça si tu as deux instants. Et je l'aurais bien pris, alors que là tout le monde fait la gueule derrière, donc ben, c'est super comme technique. Hein. Bah c'est toi qui fais la gueule, moi je fais pas la gueule. Bah oui, parce que c'est vraiment pas agréable d'être sonné comme ça. Oh bah si tu fais déjà la gueule, j'ai envie de dire, on parle au Leclerc du coup, faire les courses. Ah bah certainement pas. Bah, c'est sympa de remettre sur le tapis roulant. Oui, c'est sympa de remettre des courses sur le tapis avec des gens derrière qui vous volent vos macarons. Non. Elle a du mal, la petite mamie là, à côté. Oui, bah elle est gentille, elle en plus. Oh, elle a pas l'air, elle regarde comme ça, elle regarde la tête qu'elle fait. Enfin, bon, les capuchins, oui. Je vois qu'ils soufflent. On va vite aller dans le Cora faire nos courses et puis ben, on vous reprend après. Comme suit fonction. Comme suit fonction, somme toute. À toutes. Monsieur ne sait pas quoi choisir. C'est difficile. Ben, il faut pas que. J'ai envie de manger. Plein de choses, mais. Mais quoi? Faut que je fasse attention quand même.
au rayon gâteau. À chaque fois qu'on les reprend, c'est dans le rayon gâteau, parce qu'à vrai dire, c'est le seul rayon. Je vais prendre des princes. Des princes. Ouais, je m'octroie un paquet de gâteaux. C'est vrai. Bon bah allez, un paquet. Ouais, voilà, c'est sûr. Allez, sur le scan du Cora. Ouais. On cherche l'huile de pépins de raisin parce que Laureline indique qu'il n'a pas d'odeur. N'est pas d'odeur. D'ailleurs, faut qu'on la voit le week-end du 17. Là. Ouais, on est censé revoir Laureline bientôt. Trouve l'huile de pépins de raisin. Parce que j'aurais voulu une bouteille un peu moins ample. Moins raffinée. Non, mais on va prendre du tournesol, écoute. Bon, allez, on cherche du jus de pomme pétillant. Ouais. Après, il y a le Canada Dry, mais je le trouve à peine sucré. Bon, on va rentrer, là, de toute façon. Moi, j'ai terminé. De toute façon, je vais pas prendre du pétillant, ça me fait. Bah, sans te voir des gars, ça. Ouais. Et voici la voiture des chats. Oui. C'est la mienne. C'était ça, les fameux chats. Nous, là, sur la route. Allez, comme c'est beau. Alors lui, il a été vraiment vilain en caisse. Il a été agacé à la pharmacie. Non, mais parce que j'avais mal au ventre aussi. Bon, on est rentré. Hello. Alors, commençons ce petit retour de course intégré à la vidéo vlog. Oui. J'ose plus parler. Parce que le Cora ne mérite pas qu'on fasse. Enfin, si, il le mérite, mais vous n'avez déjà pas. Sandra de la famille Papillon, elle a dit oui, Cora va fermer, c'est racheté par Carrefour. Alors oui. Donc on le savait. Je l'ai appris à Robin, c'était cet été. Oui, j'ai fait la vie. Il m'a fait la vie. Ensuite, sa mère, elle nous avait invités à boire le café. Oui. On lui a dit. On lui a dit, puis ta mère, elle a dit oui, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein. Elle a dit c'est pas grave, il y aura les mêmes produits. C'est pas grave, il y aura les mêmes produits. Ouais, ben en fait, non, ce sera pas les mêmes produits, cocotte. Quand ça sera arrivé que les gens pleuront, ben, je leur dirai je vous l'avais dit. Vous êtes triste. C'est votre deuil. Avant tout, je me suis acheté des petits souliers. Voilà. Que voici. Les grolles. Parce que les Nike, effectivement, c'est pas beau aux pieds. Bon, bref, du coup, voilà mes souliers Levi's que j'ai acheté pour 60 euros. En plus, je l'ai conseillé, je dis bah tiens, prends du brun, c'est vachement beau. Après, moi, je voulais m'acheter des tongs, il m'a même pas rien à faire. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'on regarde des trucs dans les magasins, il trouve jamais rien. Bah, comme ça. Ah, mais c'est pas de ma faute, il y a rien qui me va aussi. Pour ça, bah, on est quitte de perdre du temps. Donc, pointure 41. C'est bien fait. On va commencer le retour de course Cora avec les produits frais. Attends, devine qui j'imite. Alors, les amis, bonjour les amis. Alors, j'ai pris une pizza Eco Plus. Jolibule. Eh ouais. Un autre. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait un drive Intermarché. Papillon. Ouais, t'as vu. Et puis, il y a qui d'autre aussi Bonjour à tous. C'est Agabi. Et puis là, je vais faire une dernière imitation qui va piquer, qui va faire du mal. Je la fais quand même. Bonjour. Alors, je reviens de Leclerc avec maman. Véro, mamie YouTube. Oui, d'ailleurs, hein, là, on n'est pas très content. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas content, c'est qu'on est. On est très déçus. On est subjugués. Vous voulez du croustillant? Allez, vous cherchez un thé et des gâteaux. C'est l'heure du thé. Allez, let's go. Non, mais c'est vrai que. Alors, dans la dernière vidéo, vous avez remarqué que. On était à cette même place. Moi, je sais plus, on parlait de l'âge. T'avais pas le même pull d'ailleurs. Non, j'avais un pull bleu. Ah oui, c'est vrai. Non, pas bleu. Et puis, il me disait que je ressemble, que j'étais un petit papy. Je vais recontextualiser. Ça te dérange oui, pas? Oui, bah vas-y, recontextualise. Alors, dans la dernière vidéo, alors déjà, je précise, je suis le monteur des vidéos de Hello Robinus. C'est moi qui gère la chaîne. C'est moi pour qui le fais moment. Le design. Pour le moment, depuis quasiment un an, 6 mois, un an, hein, quasiment. Comme Josh Phoenix, c'est un monteur. Hein, voilà, après, je suis un peu gros par rapport, c'est pas grave. Et pour le coup, c'est moi qui monte les vidéos. Bref, oui. Dans le dernier retour de course, pour faire simple, voilà, l'officiel d'Intermarché, on n'a pas trouvé les promos de Sandra. Et bien, en fait, pour faire simple, à un moment donné, Robin se foutait de ma gueule et je me suis bien foutu de sa gueule parce qu'on se fout toujours l'un et l'autre de nos gueules parce que dans un couple, il faut rire, parce que si vous rigolez pas, bah alors là, il n'y a plus de couple. Et si on n'avait pas l'humour, on serait déjà séparés depuis au moins 5 ans, lui et moi. Bon, bref. Et pour le coup, j'ai dit à Robin que c'était un peu le papy de YouTube parce qu'il avait pris un petit coup de vieux, ce qui était ironique, hein, évidemment. Bah, oui. Donc, je lui ai dit que c'était le papy de YouTube et du coup, j'ai fait référence à
Véro Mamie YouTube, qui est le nom de leur chaîne YouTube. Je précise pour les mouchards qui vont aller lui dire. Oui. D'ailleurs, allez lui montrer cette vidéo. Faites-vous plaisir. Quelqu'un l'a forcément dit dernière fois. Faites-vous plaisir parce qu'elles ne sont pas abonnées à la chaîne, elles ne l'ont jamais été. Bref. Mais nous, on était abonnés à leur chaîne. Mais on était abonnés à leur chaîne, hein, je précise. On les appréciait beaucoup. Oui, parce que de base, nous, on avait absolument rien contre elles. On les aimait, enfin, on les aimait bien, hein, franchement. Hein. Oui, bah, on avait juste un peu décroché parce qu'en fait, leur vlog était à peine trop long. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que dans le dernier retour de course, en effet, donc, j'ai dit à Robin, je lui ai fait, en fait, des petites remarques piquantes, comme quoi il était vieux, qu'il était pas beau. Et je lui ai dit, de toute façon, toi, t'es comme mamie YouTube, t'es papy de YouTube. J'ai mis une photo, voilà. Donc, j'ai mis une photo, de la maman de Véronique. Donc, elle s'appelle Dorette, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc, la fameuse mamie YouTube. J'ai mis une photo qu'on trouve sur leur chaîne YouTube. C'est une photo de miniature de vidéo. Je me suis pas permis de prendre une photo privée puisque c'est interdit. C'est une photo qui se trouve sur internet. C'était un petit clin d'œil, hein, papy YouTube, mamie YouTube. Mais alors faut croire que ce que j'ai fait, c'était pire que Hitler, puisque pour le coup, on s'est pris un commentaire de la part de Véronique. Pas très gentil. Parce que la maligne, elle a modifié son commentaire plusieurs fois. Donc une première fois, c'était bien piquant, bien sec et vraiment pas sympa. Non. Ensuite, la gamine l'a remodifié. Donc là, il y a eu quelques j'aime. Donc en nous appelant les flamants roses, machin. Des filaments roses. Bon, elles se pendent. Bref. Moi, je comprenais pas trop. On n'a pas compris le message, mais bon, après, voilà. Ça devait forcément être péjoratif. Oui, voilà, dans tous les cas. Et puis, il y avait même à un moment donné, elle nous faisait même des menaces en nous disant, enfin, elle nous a même dit, on se retrouve quelque part, on règle ça. Non, mais enfin, vraiment, le truc pour une photo qu'on a mis dans une vidéo. Alors que beaucoup de youtubeurs mettent des photos de nous dans des vidéos pour nous rendre, entre guillemets, hommage, pour dire qu'ils nous apprécient. Et moi, ce que je trouve vraiment génial, oui, sachant que nous sommes, entre guillemets, des personnalités publiques, du moment où vous mettez des photos, des vidéos de vous sur Internet, et ben du coup, les photos peuvent se retrouver sur pas mal de plateformes, en fait. Donc, c'est vrai que ce que j'aurais dû faire, c'était peut-être créditer la photo en expliquant que je l'avais pris de leur chaîne YouTube, mais je n'étais pas dans l'illégalité, puisque dans tous les cas, quand une photo d'une chaîne YouTube apparaît sur une chaîne YouTube, on peut reprendre cette photo pour la remettre ailleurs, en fait. Ça devient, en fait, un média. Sachant que YouTube n'a pas de loi française, hein, c'est pas les lois françaises, je précise. Donc je me suis renseigné sur le sujet, voilà, donc j'étais pas en tort. J'ai quand même été de bonne foi sur les conseils de votre youtubeur préféré parce que je lui ai demandé dans Parce que moi si je m'écoutais, moi je laissais la photo et puis elle se débrouille, hein, j'ai envie de dire, bon, c'est pas la fin du monde. Robin m'a dit enlève quand même la partie, donc du coup on a dû couper une partie de l'ancien retour de course. Donc à un moment donné, je parle et puis pif, on passe à autre chose. Pif, paf, pouf, l'achat à McDoom. On passe à autre chose. Et du coup, eh ben, on se retrouve avec une vidéo qui est bien alambriquée. Bah, voilà, quand j'ai vu ce message, j'ai été, un peu. Honnêtement, on était très déçus parce que. Ouais, déçus. La gamine, alors, moi, j'en voudrais même pas à la maman parce que je sais même pas si c'est la mère qui a pété un câble ou si c'est la fille. Non, je pense que Dorette, elle s'en rend pas. Oui, parce que je pense que la mamie, et gentille, c'est un peu une bienheureuse, j'ai envie de dire. Oui. Une fille sans histoire. Ça, on coupera vraiment parce que. Ouais, on va couper ça. Ça, on aura des problèmes encore. Mais en gros, voilà. La mamie, je pense qu'elle est sans histoire, sauf que la gamine, vous savez, elles font genre sur leurs vidéos YouTube. On est des petites Alsaciennes, on cuisine des bons mets culinaires, mais attention, hein. Elles sont pas si gentilles que ça, les gamines, hein. Surtout la fille, hein. Véronique n'est pas commode. Bon, mais c'est pas des critiques, hein, là, on n'attise pas le feu. Encore hein, une fois, c'est notre avis, notre expérience avec ces youtubeuses, enfin, avec la youtubeuse Véro YouTube. Parce que si Véro nous avait dit simplement par message, écoutez, vous avez mis la photo de ma maman, s'il vous plaît, j'aimerais que vous l'enleviez. Oui. Voilà, je l'aurais illico enlevé. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas du tout été injurieux ni moqueur vis-à-vis. Mais non, vraiment, encore une fois, nous, on apprécie vraiment la chaîne. Après, c'est vrai que dans une vidéo, on disait qu'on les regardait plus parce que les vlogs sont trop longs. On va pas se mentir. Oui. C'est comme Caramella. Je regarde de temps en temps, mais les vlogs d'une heure ou deux heures, puis voir deux petites dames cuisiner une brioche pendant deux heures de temps sur une vidéo. Oui, nous, c'est pas notre truc. Voilà, nous, on manque de temps. On aime bien quand c'est quand même un peu structuré. C'est pour ça que moi, les vidéos d'Audrey Robin, de Famille Papillon, enfin Audrey Mika, tout ça, ou Isa Gabi, elles sont bien structurées, beaucoup plus courtes. C'est plus agréable à regarder. Donc c'est pour ça qu'on a un peu décroché de leur chaîne, mais on était encore abonnés, on les appréciait beaucoup. Alors le message qu'elle nous a laissé, il n'y aura pas de capture d'écran, hein, je vous explique, on ne dira pas ce qu'elles ont mis,
Mais voilà, c'était vraiment pas sympa. C'était pas très gentil, donc voilà. Bon, pas vraiment sympathique. C'était pas courtois. Bon, on est toujours abonné, hein, je crois, à ta chaîne. Non, je me suis désabonné. Ah. Mais toi, sur ton compte YouTube, t'es toujours abonné à la chaîne. Toujours abonné. Bon, c'est mal. Oui, parce que c'est pareil aussi. Je tiens à m'excuser d'avance. Il y a beaucoup d'abonnés de la chaîne qui suivent Robin et que Robin ne suit pas en retour. Je vous explique, en fait. Nous, quand on regarde les vidéos de tous les abonnés ou de tous les youtubeurs qui nous suivent, vice-versa... On est sur le compte du chat. Voilà, c'est sur mon compte personnel du chat, en fait. Voilà. Et le compte professionnel de Robin, on s'en sert que pour la chaîne YouTube. Oui. Donc, on vous regarde, mais pas avec sa chaîne YouTube. Donc, si des fois, vous dites « Oh, dis donc, il n'est pas abonné à ma chaîne. » Oui. C'est pas qu'il ne l'est pas, mais si vous voyez un Anthony Martinez, c'est moi. Parce que moi, quand je regarde mes vidéos le matin, etc., pour mes cours de crochet et compagnie, j'utilise un autre compte que celle et le Robinus. Oui, c'est encore un autre compte perso. Voilà. Voilà. Donc, ne vous y méprenez pas. Si vous voyez plein de pseudos un peu bizarres avec des Anthony, des Robin, des machins, bah c'est nous en fait. Mais oui, si vous voyez pas El Robinus, entre guillemets, c'est normal. Mais voilà, mais rassurez-vous, on n'est pas fâché avec l'Alsace. On apprécie toujours autant l'Alsace. Mais tu vois, mais après, c'est des femmes qui viennent de Strasbourg. Toi, c'est... Ah non, elles sont pas de Strasbourg, les gosses. Enfin, Véro. Et parce qu'elles sont de quelle ville? Moi, je pense qu'elles sont du Haut-Rhin. Mais je sais pas. Non, elles avaient dit qu'elles étaient de Strasbourg, je crois. Près de Strasbourg. Ah ouais, elles seraient du Bas-Rhin? Ah. Ouais, elles sont du Bas-Rhin. Et vraiment limitrophe de l'Allemagne, là. De l'Allemagne, vraiment, pour le coup. Je sais pas, Gno. Ouais, tu vois, limite, je pense que. Parce qu'un con, elles avaient fait une FAQ, on leur avait déjà posé la question. Oui, mais elles voulaient pas dire, mais elles avaient quand même sous-entendu qu'elles étaient dans le Bas-Rhin. Ah oui, oui, possible. Donc, ça se trouve peut-être qu'on va les croiser chez Primark, qui sait. Parce qu'on va souvent en Alsace, hein, n'oubliez pas. Et puis j'étais vos voisins, hein, pendant longtemps. Bon voilà, je vais voir la Véro YouTube, je vais faire la bise, je vais faire salut Véro. Salut, ça va? Ça va mieux, tu me fais plus la gueule? Non, allez, on fait table rase du passé, hein, s'il vous plaît. En fait, on remet à zéro. Tu fais un pas en avant et voilà, comme ça. Mais je fais même pas un pas, je saute dans l'Alsace. je vais vers vous, les filles, je vous aime d'amour. Sincèrement, là, parce que c'est. Bah, c'était sincère. Non, on remet à plat les choses, Véro. Mais moi, j'ai rien contre elle. Mais moi non plus, j'ai rien contre elle. Oui, franchement. Mais, non, mais c'est quand même une manie d'avoir laissé un message sur la vidéo. Parce qu'elle se dit, le gosse, là, il est en train de monter, il est en train de faire des vues. Tiens, je vais. Piquer un petit peu pour prendre un peu de lumière sur moi. Bon, mais en fait, c'est comme quand vous réclamez quelque chose à une réclamation à l'EDF ou à Veolia, je ne sais pas. Si vous êtes méchant avec la conseillère de Veolia ou de l'EDF, vous n'obtenez rien. Bah si vous êtes gentil, vous obtenez tout ce que vous voulez. Un sourire vaut toutes les bombes nucléaires. Je sais pas si c'est ça l'expression. Non, je sais plus, il y a une expression. Ah, c'est beau, ça. Un sourire vaut toutes les bombes nucléaires. Voilà. C'est joli, ça. Bon, c'est bon, on va plus commencer. Parce on va commencer, la merde à la fin. Ainsi. Bon, c'est parti. Allez. Quoi de mieux après l'Alsace que de vous présenter des produits franc-comtois? Franche-Comté. Parce qu'en Franche-Comté, on est franchement con. On a pris du Saint-Marcelin parce que ma grand-mère s'appelle Marceline. Mais ça se boit avec du vin. Mais il me reste du vin, mais je sais pas, je l'ai ouvert il y a... Je sais pas si je peux boire du vin, il est ouvert, je l'ai ouvert il y a 3 semaines. Est-ce qu'il est encore bon? Du vin rouge, je sais pas. Moi, je pense qu'il est encore... sanitairement, je pense qu'il est bon. Après, gustativement, oui, il est moins. Bon, alors, du Comté 24 mois, ici présent. J'ai tellement rigolé que j'ai mal à la tête. Ben, c'est bien fait. Non. Et de l'Emmental de Savoie, juste ici. Alors, moi, ben, pour pas changer, ben, regardez, mon amour pour l'Alsace, regardez, j'ai pris du Munster. Oui. Et ça se voit, elles sont peut-être de Munster. Hein. Les gamines. Ah, peut-être, oui. Ça se trouve, elles habitent peut-être Munster. Donc, j'ai pris également du. Ah oui, sa petite tisane. Du braise bleu. La semaine dernière, on a dû en. Non, je sais plus si on en a pris ou pas. On s'est toujours parmi du retour de course d'Intermarché. Hein. Franchement, c'était quand même nul de chez nul. Ouais. Du braise bleu et de la brique de brebis. Voilà, de chez Cora. Heureusement que cette histoire. Ah, il faut pas que je mette trop près. Parce... Heureusement que cette histoire est derrière nous. On a pris du haché végétal parce que nous allons faire des poivrons farcis sans viande. Alors, donc moi, dans les yaourts gourmandises, je me suis pris les fameux riolets, rhum des Caraïbes raisin. Oh, ils sont délicieux. Oh là là, ça, le soir après un repas. Je me suis réapprovisionné de fromage frais. Il a un ton sec depuis ce matin, je trouve. Non, bah oui, mais moi je travaille, il faut que j'ai remarqué dans les derniers tours de course, il est vachement piquant.
On dit souvent de moi, mais vous avez vu comment il est? Oui, mais dans mon travail, je dois être ferme et... Parce que Robin, dans son boulot, il doit être... peine sec. Enfin, pas peine sec. Oui, il faut être... faut être rigoureux et ferme, donc... Ouais. Je crois que ça... Et puis ma mère est rigoureuse et ferme, donc... Mon Dieu, si vous, mais si vous voyez sa mère... Mais faudrait qu'on leur filme un coup de mère. Hein. Mais sa mère... Non, mais je vous jure, hein, mais c'est... Oui, mais elle est gentille. En fait, la mère de Robin est très gentille, mais... autoritaire. Elle est professeure. Oui, en fait, elle est professeure des écoles, mais sur tout. Non, pas comme ça. Alors, faudra bien faire ça. Vous n'oublierez pas de faire ça. Et faudra faire ça. J'ai, oui. J'ai repris de la compote de pommes. La compote de pommes. Et la Cora, je suis désolé, c'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure de toutes. Alors, moi, j'ai pris des Activia pour faire caca. Donc, cerise et fraise, voilà, juste ici. Moi, je n'ai pas de problème de transit. Donc... Alors, les gens, ils étaient pressés au Cora quand même. Hein. Ça, oui. C'est vu. Hein. Bah, ils avaient peut-être des choses à faire. Du parmesan pour avec des pâtes. Et du mascarpone pour faire un dessert prochainement. Bon, il va jusqu'au mois d'avril. Voilà. Alors, mon blanc de poulet, toujours pour mes collations quand j'ai faim. Et Robin a eu une bonne idée. Il voudrait faire des crêpes salées. Salées. C'était pas dans les menus de la semaine prochaine, mais ça va peut-être se greffer, voilà, un soir comme ça. D'ailleurs, on vous souhaite prochainement une bonne chandeleur. Une bonne chandeleur, voilà. Donc, le jambon supérieur de chez Cora. Tu leur as dit, je vous souhaite une bonne chandeleur prochainement. Je vous souhaite une bonne chandeleur prochainement. Merci. Alors, moi, je suis pas très viande, le chat est plus. Donc, moi, je me suis pris des petits falafels. Et je me suis pris, je fais attention, des pas les gourmands épinards. Le reste, c'est pour Antoine. Ouais, Antoine, il mange pas ça, hein. Votre Hélène et votre Antoine, là, bon, bref. On avait dit qu'on serait gentil, bon. Oui. Alors, du coup, donc, pour les menus de la semaine prochaine, il y a deux menus, donc. Alors, maintenant, que je regarde ça, c'est pas les bons, ça. C'est pas les bons menus. Ah, qu'est-ce que je suis cruche. Donc, il y aura un menu avec du poulet, enfin, deux menus avec du poulet. Voilà. Donc, on a pris. En fait, il y aura les poivrons farcis. Oui, les poivrons. Non, ah non, même pas. Mais non. Il y aura du riz avec du poulet le jeudi et le mercredi il y aura non le mardi il y aura les nouilles poulet poivron. Ah les nouilles au poulet poivron. Voilà. Voilà. Donc il y a deux poivrons pour le farci et un poivron pour les nouilles. le plat asiatique. Le plat à nouilles. Voilà. Le plat à nouilles. Oui. Par prédénature. Non c'est. Ah je me suis planté. Ah ben non regarde. Ah bah alors. Oh il m'a fait peur, quelle cruche. Non mais regarde, je commence tiens pour la peine. Alors j'ai pris des jockeys stracciatella. Alors oui il y a beaucoup de yaourt, mais au moins je suis quitte de manger des gâteaux. Voilà. Hein. Voilà. Faute de merle on mange des gâteaux. Oui. Ça c'est les dés du chat. Les dés du chat. L'idée du chat. Ça c'est du gorgonzola. J'avais même pas vu qu'il avait pris du gorgon. Le gosse. Et là, ah oui, chez Cora, mais la marque Patrimoine Gourmand, tout le monde ne doit pas forcément connaître, parce que c'est que du Cora. Bon, vous nous excuserez, on a fait notre jolie bulle. Alors, on Non, elle prend que des copus. Ah bah oui, c'est pas des copus, ça fonctionne pas. Bah oui. Le sketch ne va pas. Bon bah, fais quand même ton sketch. Bon, alors je fais quand même mon sketch. Alors les amis, là je me moque pas, hein, je précise, hein, c'est un hommage. C'est l'autodérision. C'est l'autodérision. Alors les amis, je me suis pris... Non, je rigole. Je rigole pas. Ah bref. On a... Non, parce que Julie Bulle, déjà, elle a pas de Cora, et puis déjà, elle aurait jamais pris ça. Julie Bulle, ouais, en fait, c'est... Moi, j'ai... En fait, oh, Julie Bulle, en fait, on adore te regarder, on regarde tous tes retours de course Eco Plus. Et en fait, des fois, quand tu parles de certains produits... En fait, Julie Bulle, je vais vous dire un truc, en fait, sur elle. Elle pourrait faire acheter à un prince héritier de l'Eco Plus en n'y vantant que les mérites. Non, mais c'est vrai. Elle a ce truc pour vous vendre... un plat de lasagne Eco Plus, mais vraiment elle veut vous le revendre, le faire. Regardez les amis, je me suis pris le plat lasagne Eco Plus. Non mais elle est une... Oui c'est vrai. Elle vous vend les produits Eco Plus d'une façon. Mais alors vraiment, elle devrait être commerciale pour Eco Plus, de gamine. Bah là oui. Ouais. En plus elle fait les cartes. Hein. J'ai vu. Elle a une chaîne secondaire où elle fait le tarot, non? Ou les cartes. Ah oui. Ou l'oracle, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Donc, oui, fais attention à toi qu'elle ne te tire pas les cartes. Non, voilà, bon, bref. Bon, moi, j'aime pas l'Eco Plus. Donc, pour ce soir, on va pas bouffer les deux d'un coup. On a pris du coup. Alors, parce qu'il y avait une réduction sur la deuxième, en fait, chez Cora. Voilà, moins 50% sur la deuxième. Les réductions, c'est rare chez Cora, donc là, on en a profité. Et Patrimoine Gourmand, c'est quand même une bonne marque. Uniquement chez Cora. Ouais.
dans le Grand Est. Ah oui, puis ouais, et c'est fait en France, hein. Ouais. Donc en fait, c'est une marque qui existe, voilà, de chez Cora, et c'est une marque qui est faite apparemment dans nos régions. Mais tout ce qui est patrimoine gourmand est forcément. Et c'est vrai que nous on fait quasiment tout maison, mais c'est vrai que pour le coup, leur Flammenkuchen, honnêtement, elle est très bonne. Vraiment, elle a pas ce côté plastique qu'on trouve dans l'industriel. Elle est très bonne. Voilà. Véro YouTube pourra confirmer que. Oui, Véro YouTube, si t'achètes des Flammenkuchen de chez Cora, dis-nous ce que t'en penses. Mais je crois qu'elles vont chez Lidl ou Leclerc. Oui, je crois qu'elles vont pas au Cora. Ouais, elles vont pas chez Cora. Que des Cora, il y en a pas partout. C'est pas les femmes fréquentables, elles vont pas chez Cora. Surtout qu'il faut être véhiculé pour aller chez Cora, parce que Cora, t'en as pas partout. Ah, parce que je crois qu'elles ont pas le permis. Alors là, pour le coup. On a pris des épinards parce qu'en ce moment, je suis très épinard. Enfin, Anthony n'aime pas ça. Mais... mais on aime bien les épinards, en somme. Ouais, c'est très bon. Puis cuit ou cru, hein, c'est super bon. Ouais, oui. Alors, il y avait une promo sur les œufs, et vu qu'on consomme énormément d'œufs, surtout Romain le matin, et quoique, moi quand je rentre de la salle de sport, si je rentre pour midi, j'aime bien me faire des œufs au plat, c'est super bon. On s'est pris du coup de la marque Les Fermiers, Liberté, Label Rouge, hein, donc ce sont des œufs. Alors, c'est pas des bio, hein, mais voilà, bon. C'est de la liberté. D'habitude, on les prend en bio, mais je vous jure qu'en ce moment, ils sont très très chers. Et là, il y avait une grosse promo, donc les 18 œufs, voilà. Mais sachant que si jamais, moi j'en ai par une agricultrice que je connais. L'agricultrice, c'est une copine à moi. Nous avons pris notre petit dessert du vendredi soir. Oui, tous les vendredis soirs, c'est un dessert du Cora. Alors je voulais prendre des religieuses, mais en fait, je sais pas ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas cette petite crème chantilly ou au beurre autour. Vous savez qui tient les deux boules. Je me suis contenté de mille feuilles. Par contre, ils sont très lourds. C'est impressionnant le poids. Ils appellent ça des figues. Les figues aussi, hein, elles sont très massives. Très massives. Tu peux les mettre là-bas parce qu'après là, on ne veut pas qu'on empiète. Non, ah, pas ici. Ouais, mais là, regarde, j'entasse tout aussi. Ça va te gêner. Non, mais. Alors, Robin, il veut pas que je mette derrière, mais il veut que j'entasse tout là vers le café. Et si ça sera le sec après, on va pas tout mettre ici. Après, on va plus trouver nos petits. Comme ça, il n'y a pas à contester, c'est comme ça. Du coup, j'ai bu trop vite là, du coup, ça me reste dans Ça, c'est le bon Dieu qui te punit, ça, c'est bien fait. Hein. Regardez, Mathis and Britney. Je ne cautionne pas ça. Ah, je vais me faire engueuler, mais. Ah, c'est bien fait. J'ai pris 3 kiwis, des verts, parce que je trouvais que les jaunes ne méritaient pas le prix. Donc, voilà. Merci, maman économe. Alors, nous, on est des grands consommateurs de mouchoirs. Donc, c'est vrai que tous les soirs, déjà, on se mouche avant d'aller au lit. Toujours avec de l'eau de mer. Nettoie le nez avec de l'eau de mer tous les soirs avant d'aller au lit. Et on prend nos petits lotus. Oui. Voilà, juste ici. C'est plus confortable. Donc, j'entasse là tout, là, comme Robin l'a dit. Et si ça, c'est du sec. Faut pas le mettre là, faut le mettre là-bas. On répartit par catégorie. En fait, c'est tellement débile ce qu'il fait parce que pour le coup, tout le monde dit qu'il est bien organisé. Bah, bien sûr. Le frigo est juste ici. Moi, franchement, j'aurais mis tout le frais ici pour ranger directement dans le frigo. Là, on a tous les placards où on y met les produits secs et les produits secs, on les met en face du frigo et les produits frais, on les met en face du placard. Non mais. Y a pas de logique quand même. Eh ben, t'avais qu'à le dire avant qu'on commence, hein. Comment je peux deviner? Le problème, c'est qu'Anthony, il gueule avant d'expliquer. Et après, il explique. Donc, forcément, hein. Bon, après, c'est vrai que c'est moi qui, d'instinct, ai mis en premier les produits frais, là, sur la plaque, en face des... Mais sachant qu'il a, quand il prend dans le frigo, il a besoin de mettre ses bacs quelque part, donc il mettra ses bacs. Oui, mais de base, les bacs, moi, je les mets sur la plaque vitro. Eh ben, tu changeras cette fois-ci. Il y a toujours une bonne ambiance à la maison, je veux le dire. Alors... Pardonnez-moi, mon Dieu te pardonne. Ouais, quel bon Dieu me pardonne. Pardonnez-moi pour ce péché. J'ai pris des fraises. C'est des Queenberry. C'est des Queenberry, vous avez vu. On fête bientôt sa naissance, donc il peut. Oui, on fête bientôt mon anniversaire. Ma naissance. On fête sa naissance. Oui. Parce que là, encore actuellement, j'ai l'âge du Christ. Oui. Plus pour longtemps. Plus pour longtemps, malheureusement. On a pris des clènes. Des clènes. Ça, tu les mets entre, mais ça va au frigo. Tiens, prends voir ton chocolat casse-pied, là. Ma gourmandise du jour, c'était... Enfin, non, du jour. Ouais, du retour de course. J'ai pris, du coup, du chocolat Lindt. J'adore celui-ci, il est super bon. Ça, c'est... Je sais que Mika, de la chaîne de l'Audrey Robin et du Mika... Ah, oui. Il aime bien les thés...
lancer pause au boulot. Mais c'est vrai que nos retours de course se rapprochent quand même beaucoup de ceux de l'Audrey et du Mika, parce que on aime, enfin moi j'aime beaucoup ce qu'ils prennent, et réciproquement et inversement. Ouais. On a pris également du pain, une baguette. Le pain de main pain. Donc pour soutenir nos agriculteurs, on a pris des bananes. Des bananes. Mais bon, c'est des dom-toms, c'est français, hein. Oui, c'est quand même français. C'était un débat qu'on avait d'ailleurs il y a quelques jours. Avec des amis. Bon, bah après, ça vient de Rungis, donc ça va encore plus venir. Oui, ça vient de Rungis, j'ai envie de dire. Bon, ça a encore pu passer, ils n'ont pas encore tout bloqué. Qu'est-ce que je vous dis? Alors, Anthony, sa spécialité, vous savez ce que c'est d'écraser le pain de mie. Après, c'est. En fait, je vous explique, quand on fait les courses, on a. Robin et moi, on se fait des sacs de choses fragiles. Sauf que moi. Je respecte. Non, oui, mais moi, mon sac de choses fragiles, il se transforme en sac de choses lourdes. Donc. Je commence à mettre des choses fragiles dedans, puis après Robin il met des trucs lourds, ben forcément ça s'écrase. Ah, c'est faux, c'est lui qui respecte pas. Donc on a pris du pain de mie, c'est vrai qu'il n'y en avait plus beaucoup encore. Hein. Spécial sandwich, alors en fait celui-ci on le prend parce qu'il est, y a des graines, on aime bien. Des tomates cerises, bah dis donc, tu nous as pris une sacrée quantité. Hein, ah, tu m'as dit qu'il te fallait des tomates cerises. Bon, bah, il y a des légumes mieux c'est, mais bon. Oui, somme toute. Donc pour l'un de nos repas de la semaine prochaine, on a pris du coup des nouilles chinoises bio. De la marque Suzy One. Voilà, bon, vous avez vu. Nous avons pris, comme vous savez, trois poivrons. Alors, moi, j'aime pas les poivrons verts. Non. Je trouve qu'ils sont amers. Je préfère les jaunes. Il n'y avait pas de jaunes, donc je me suis rabattu sur les rouges. J'ai pris l'intermédiaire. Qu'est-ce que je vous lise? Trois. On avait dit deux farcis et un pour le wok, enfin, ou les nouilles. Voilà. Jetez-moi la pierre à la gueule. J'ai pris dans la. Bah, je pense que vous avez dû le voir dans la séquence d'avant. On a pris des princes. Enfin, j'ai pris des princes. Oui. J'ai fait mon Antoine. J'ai fait ma Hélène. Je le confesse. On a pris des lentilles. Et celle-ci, on a un haché végétal qu'on vous a montré. Et ça, on va compléter notre haché végétal pour la farce avec des lentilles. Ça apportera des protéines. Oui. Des légumes. C'est des boîtes. Mais bon, entre les boîtes et le sec, hein, c'est peu pareil. Hein. Si vous voulez, la viande, on prend du haché végétal. Entre guillemets frais, alors tout est relatif, et pour le rendre plus consistant, on y ajoute les lentilles. J'ai repris également du café, le Miami Morning Blend. Ah, oh, il est super succulent. Ah, franchement, c'est vrai que moi, bon, un bon vrai café, y a rien de mieux, mais celui-ci il est très très bon. Mais vraiment, je vous le conseille, et il est pas trop fort. Des tomates pour mettre avec. Bah, elles sont. Elles sont somme toute. Elles sont faites pour exister et prêtes à manger. Bon alors moi rapidement, c'est pas intéressant. Du papier toilette, 4 épaisseurs. Du dentiflard pour mon boulot. Et du paplard WC. Humide. Voilà. J'ai repris des paplards mouchoirs. Voilà. C'est pour ma chambre ça, ceux-là. Tiens. Et j'ai pris un masque de la marque Fructis. Eco Plus. D'ailleurs ça existe même pas les masques Eco Plus, non? Non. Voilà, qu'est-ce qu'il sent bon. Il est cher, mais il sent bon. Oh là là. Bon, c'est bon, on va commencer comme ça. Donne-moi le grand laitier. Bon. Une bouteille de lait, parce que c'est bientôt la Chandeleur. On vous souhaite d'avance une très bonne Chandeleur. Bonne Chandeleur. Parce que peut-être que ça paraîtra pour la Chandeleur. C'est la fête préférée de Floriane, la Chandeleur. Floriane adore la Chandeleur parce qu'elle adore déjà, elle adore les crêpes et puis elle adore la série Friends. Puis elle a même pleuré quand Matthew Perry est décédé. Oui, elle avait du chagrin. Ouais. Elle a versé sa larme, elle a eu un chagrin d'amour. Bah, je sais pas si t'as eu de l'amour, mais. Et elle nous a fait un vocal, elle nous a dit Matthew Perry est décédé, j'ai versé ma larme. On reconnaît pas de ces choses. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est bientôt la Chandeleur, on a un litre de lait. Je vous jure, à la fin de la journée, on a mal à la tête tellement on raconte des conneries. Oui. Surtout moi. Des sacs poubelles, 50 litres. Alors, pour nos fameux repas, enfin notre repas, les nouilles sautées, du coup, on a pris une espèce de sauce, enfin une espèce de la sauce soja de la marque Cora. C'est bien parce qu'elle sent un petit contenant, parce que des fois, vous trouvez des machins comme ça. Jamais sucré, hein, chez nous. Oui, jamais sucré. Oh, le diable, la sucrerie. Le diable, le sucre. On n'habite pas Erstein. On n'habite pas Erstein, hein. Oh. Bon. Et du coup, pour mes shakers de protéines, j'ai repris du Alpro Soja. Regardez, c'est la Flo, là. Non, c'est Charlotte. Ah, oui. C'est Charlotte, là. On a repris de la farine francine. Parce qu'on a l'intention de faire des schenkele ou des beignets ou des beignets. Alors, en Franche-Comté, on dit des beignets. Beignets.
Les Schenkele, c'est avec de la poudre d'amande, mais on fera juste des beignets. Des beignets. Des beignets. Ni plus, ni moins. Et les gens comme Florian disent des beignets. Des beignets. Des beignets. À Lyon, ils disent des beignets. Hein. Ouais. Mais il faut qu'il y ait l'accent chez Corinne. Des beignets. Mais nous autres, on dit des beignets. Oui, oh. Et pour ce faire, il nous faut de l'huile. De l'huile. Toujours de la leçure. Au moins, la leçure, on est sûr de ne pas se tromper. Je vais mettre un autre Apollo, celle-ci. Oh. Elle est belle. Heureusement qu'on avait quand même le chéri d'Aurélie. Oui. De ma cousine qui nous a remis de l'huile dans la voiture de Robin. Oui, parce que il s'y connaît bien. Autant laisser faire ceux qui savent. Après, c'est ce que j'ai dit à Robin. J'ai dit après, tu sais, on lui remet l'huile. Je te remets l'huile, c'est bon. Oui, voilà. Mais ceux qui savent, autant les laisser faire. Oui, ceux qui savent, autant les laisser faire. Après tout. C'est vrai. Et toujours pour... En fait, on a profité, vu que, vous savez, c'est le nouvel an chinois, oui. Pour prendre plein de trucs asiatiques. C'est vrai que c'est un peu aussi... Je vais pas dire raciste, mais c'est vrai que c'est un peu bête quand même, parce que c'est le nouvel an chinois, mais... Est-ce qu'il le fait au Japon? Je sais pas si les Chinois et les Japonais ont vraiment des points communs, je ne sais pas. Oui, parce que pour le coup, c'est le nouvel an chinois, mais en fait, ils bradent, ou alors ils mettent en avant tout ce qui est asiatique. Moi, j'ai cru comprendre que tout ce qui était les relations sino-Japon, c'est pas l'amour fou. Mais nous sommes shintoïstes. Mais qui suis-je pour juger? Non, on n'est pas shintoïstes. On avait quand même la base des chrétiens. Des chrétiens d'Alsace. On a pris du coup de la sauce New York Mam. Je sais pas ce que c'est, mais on a pris. Voilà. Ça fait pour. Ouais. T'as vu, elle est bleue. J'imagine c'est que c'est demi-écrémé. J'imagine que ça a le goût de poisson. Voilà. C'est le goût de poiscaille. Voilà. On a repris du lait demi-écrémé, 6 bouteilles de 50. T'as vu, 1 € de réduction. Ou alors sur votre prochain. Ah oui, merde. Non, mais on sait très bien qu'on n'aura jamais. Et enfin, ultime produit. Ah ouais. Bah tiens, prends-le. Je vais le faire. Bah oui, mais j'ai plus de mon bonnière. Ouais, bah, tu vas nous en trouver, hein. Ouais, je vais faire comme les youtubeuses. Et tu mets une dosette, hein. Ouais, ce sera notre prochain achat. Ah bah t'en as pas? Bah si, mais là j'ai rempli, j'avais celle-ci. Bah tu peux pas la garder? Bah non, il me faut une plastique dans la salle de bain, parce que sinon elle fait tomber. Bah mais j'en ai pas en plastique, hein. Alors... Pour ceux qui n'ont pas suivi, on faisait notre lessive, après on a arrêté de la faire, on a nos périodes. Ah, c'est chiant à faire la lessive. C'est vrai, faut le dire, c'est chiant. Ah, oh, c'est vraiment chiant. Donc, on s'est rabattu sur la bonne vieille lessive qu'on a connue dans les années 80. Ma mère a toujours utilisé de la poudre, hein. De la poudre. Ouais. La lessive en poudre. Il y avait plein de promos chez Cora, mais c'est tout des attrape-nigauds. Ils vous vendaient la lessive, il y avait parce que là, c'est combien? 55 lavages, il y en avait une, elle faisait 60 lavages, elle était à 30 balles, celle-ci, elle en faisait, 55, elle est à combien? 13. Je vous dis, des fois, les promos, c'est vraiment pour les attrape-nigauds. Hein. Des fois, il y a des trucs... Et puis, c'est vrai qu'en fait, quand on achète de la lessive liquide, en fait, on achète, il y a, je pense, il doit y avoir 70% d'eau. Oui, en fait, elle est vraiment pas concentrée. Oui, alors qu'au final, et puis, elles sont quand même chères. Alors que là, on a des espèces de petites boules skip. Et on va remplir 2 petites boules skip. Skip. Et puis, ça sera suffisant. Ça sera le nécessaire. Ce sera toutefois... Ça sera le nécessaire. Ce sera somme toutefois le bien nécessaire. Suffisant. Oui. Alors, nous, on a une fréquence d'une machine par jour. Donc, on tiendra peut-être 2 mois. Allez. Mais c'est parce qu'on va souvent à la salle de sport aussi. À la piscine, salle de sport. En fait, des fois, on change plusieurs fois de tenue par jour. On va à la salle de sport, donc on transpire. De base, oui, parce que si tu regardes... De toute façon, on travaille. Donc déjà, il faut une tenue déjà quotidienne pour le travail. Oui. On a une tenue pour la détente quand on rentre, parce que voilà, on a une tenue détente. Moi, j'ai une tenue quand je vais à la piscine, donc forcément une tenue de piscine, et la tenue quand tu vas à la salle de sport, donc il y a une tenue de salle de sport. Enfin, vous voyez, quand je suis aussi à la piscine avec toi, j'ai encore une autre tenue pour la piscine. Tenue pour la piscine. Ça n'arrête pas. Donc, vous voyez. Oui. Donc, voilà. Ah, puis le petit dernier, là. Oui. Il nous a fait un caprice. J'ai pas de basique blanc, donc je me suis simplement pris des t-shirts basique blanc à 4 francs. Donc, 2. Fais gaffe, ce que Florian va dire, c'est pas des francs, c'est des euros. Oui, mais c'est des francs suisses. Donc, le chat, il dit. La fausse, si on regarde les vidéos, il va péter un câble. Oh la fausse. Tu sais, de regarder avec son mec, là, d'être comme ça. Non, mais franchement. Franchement, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Hein. Franchement, je parle pas du tout comme ça. J'ai pas un accent de bourse, hein. Faut arrêter, hein. Bon, bah, on a eu pour, je crois, 196 euros. On vous donne pas les centimes parce que... Oui.
Il est pris de chaque article, ça sert à rien parce que vous n'allez pas chez Cora. Alors pour le coup, voilà. À part peut-être ma tante. Oui, c'est vrai. Ouais, mais elle connaît déjà les prix. Elle connaît déjà les prix. Et puis d'un Cora à l'autre, ça diffère. Hein, oui, ça diffère. Donc du coup, c'est compliqué d'avoir les bons prix. Hein. Bon, il est quelle heure là? Il est déjà 19h. Hein, oh, oh là là. Bah, tu ne mets pas la pression pour qu'on mange avant 20h, hein, absolument. Hein, parce que j'en ai marre. Moi, à chaque fois, je me dépêche pour ma douche, j'en peux plus. Donc on mangera quand on mangera, Martinez. Oui, promis. Ma foi, sur ce. Sur ces belles paroles. On vous dit à tout à l'heure, parce que de toute façon, la vie n'est pas finie. Puisque, restez avec nous, il va y avoir des petites surprises. Il y aura une séquence émotion. Ah oui, un peu. Oui. Enfin, deux séquences émotion, grâce à une youtubeuse qu'on aime beaucoup et dont on va parler dans la séquence d'après. Voilà, mais là, il faut qu'on range et qu'on dîne. Voilà, à tout de suite les abonnés. Bon, les capucins, on a rangé les courses. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça donne dans le frigo. Oh, regardez la tête de notre frigo. Je vais remettre canaille droit. Regardez mon lapin comme il est beau. Donc voilà. Donc c'est pas le frigo le mieux rangé au monde, mais bon, voilà, on s'y retrouve quand même. J'avoue que là, en plus, franchement, on avait une flemme. Donc dans les bacs du dessus, les yaourts. Alors au milieu, c'est un peu le bordel. Donc là, c'est l'espèce de plateau à fromage, enfin un bac à fromage, hein, tout simplement. Voilà. À gauche, c'est un peu le rab, on va dire. C'est les produits qu'on va utiliser pour les menus de la semaine. Là, c'est des œufs. On avait un petit peu en trop, donc je savais pas où les placer. Je les ai mis là. Donc nous, on n'est pas du style à mettre les œufs au sec. On l'a fait pendant pas mal de temps, mais c'est vrai qu'on les conserve mieux au frigo quand même. La maillot, on avait un gros pot, il ne rentrait pas en dessous, donc on l'a mis ici. Ça, c'est tout notre plateau de condiments, donc de sauce en fait. Là, c'est alors j'ai mis le paquet de pâtes, mais de base, il ne va pas ici, ça non plus. En fait, ça, c'est un bac à fromage râpé en fait. Donc bon, pas de fromage râpé, comme ça va un petit peu ensemble, j'ai tout mélangé. Donc là, c'est des fameuses saucisses dont vous parlez Romain, qu'on n'a pas mangé en fait. Et bon, je pense que Romain les mangera demain. Et ça, en fait, ouais, il sonne le truc. C'est nos petits desserts. C'est des boissons que j'ai toujours au frais pour au cas où j'ai des invités. Encore des œufs, les fameuses flammenkoeche, une bière de Robin. Et ça, c'est mes encas, en fait. C'est mon truc à... Bon, j'ai mis le haché, les passons salés là. Mais comme j'ai plus de place au-dessus. Et ça, c'est voilà, c'est tous mes blancs de poulet que je mange en encas. Les fruits et les légumes. Donc là, c'est très mal rangé, mais bon... Voilà, ça fera l'affaire pour les prochains jours. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est très mal rangé également, mais bon, pas le choix. J'ai mis ma tablette que je voulais garder au frais. J'ai mis des bières de Robin, et là, j'ai une espèce de bac où je mets des clémentines. Et là, c'est encore un autre bac de clémentines, mais c'est les vieilles, celles-ci. Donc, on va les manger en priorité. Et puis là, regardez, c'est encore des œufs. On est gros consommateurs d'œufs, de protéines. Nos laits, la carabrita. Les sauces, crudités, nos beurres. Et c'est quoi ça? C'est le vin de Robin. Ouais, son fameux vin. Voilà. Son vin Alsace. Attendez. Mesdames et messieurs, quand même. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais sortir ça. Je vais en sortir une. Oula. Je suis en train de remplir le truc de café. Et puis voilà, on va mettre ça à cuire. Et puis on vous reprendra juste après. Alors, donc voilà pour la minute émotion. Voilà, la minute émotion. J'ai reçu dans la boîte aux lettres ces derniers jours quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc, on a une super abonnée et youtubeuse qui s'appelle Isagabi. Donc, Isagabi et toute sa famille, dont sa fille Tiffany. Oui, le chien Marcus. Et leur beau petit chien Marcus. On vous en parle souvent, en fait. Hein, c'est une famille, surtout, je dirais principalement une youtubeuse, Isagabi, en fait, qui fait des vidéos lifestyle, retour de course, recettes, voilà. Et moi, j'adore la regarder parce que je trouve qu'elle est hyper apaisante. C'est vrai. Donc, c'est vraiment un truc que j'adore chez elle. Elle est hyper apaisante, puis elles me font bien rire quand elles font le retour de course. Voilà. Je suis d'accord. Elles m'envoient, en fait, voilà, elles se sont souvenues que je suis né le 4 février. Oui. Donc, elles m'ont envoyé, du coup, pour mon anniversaire, une petite carte avec un vinyle de Dorothée. Ouais, c'est pas beau ça. Donc regardez, je vais déjà vous montrer le vinyle. Et en plus, c'est une chanson que j'adore de Dorothée et que Robin adore également. C'est ma préférée. Moi. Parce que dans les anciens singles vinyle, vous aviez plusieurs titres, les faces A, les faces B. Donc sans plus tarder, regardez, donc, c'est le single en fait « Tant qu'on a des amis » qui est extrait de l'album « Allô, allô, monsieur l'ordinateur ».
Et derrière, en fait, au dos, vous trouvez l'une des chansons préférées de Robin, de Dorothée. La Mercaline. La Mercaline. Avec son chien, d'ailleurs, Roxanne. Oui. Voilà. La Roxanne. En fait, c'est un peu... Dorothée, c'est un peu une Isa Gabi, finalement. Oui, c'est vrai. Les deux, elles ont leur chien. Voilà. Oui. Donc, le single, tant qu'on a des amis. Et du coup, je vais vous lire la fameuse petite carte qu'elle m'a faite. Donc, regardez déjà comme elle est jolie. Juste ici. Merci, Robin. Alors, poème d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Anthony. Profite bien de tes 34 ans, puisque j'ai 34 ans. La jeunesse ne dure qu'un temps. Je sais. Oui, c'est vrai. 60 ans, c'est un chapitre précieux dans le livre de la vie. Avec toi, chaque page est remplie de rires, de sagesse et de moments inoubliables. Que cette nouvelle décennie te réserve les plus belles surprises. Donc c'est un poème, en fait. Donc c'est pas forcément lié à mon âge, mais c'est un poème qui, je trouve, est très joli, qui parle. Très beau. Il y a du temps qui passe, donc il faut en profiter chaque instant. Et c'est pour ça que nous, on rigole beaucoup dans nos vidéos, parce que... Ben, c'est important. Oui. Bon, il a plus envie de rire, là, parce que du coup, on est tard, il a faim, il a pas pris sa douche, donc là, du coup, il a pas envie de rire. Oh, ben non, mais moi, je m'en fous, moi, je n'avais pas de main. Il est comme ça depuis ce matin, hein, je vous dis. Hein, donc, Coucou Anthony, je te souhaite un joyeux anniversaire. Gros bisous, Isa, Gabi, Tiffany et la famille. Et donc là, regardez, vous voyez encore un petit chat juste ici. Oui. Elles ont tapé dans le mille parce que les chats et Dorothée... Et en plus, j'adore les strass. Regardez, il y a des strass sur la carte. Voilà. Truc. Et donc, cette semaine, franchement, j'ai été super gâté. Elle parce que, gâtée. En fait, au moment où je vous filme, en fait, pour faire simple, c'est pas encore mon anniversaire. Vous allez avoir ce vlog, je pense, normalement pour mon anniversaire. Oui. Voilà, il devrait sortir normalement pour mon anniversaire. Donc, bref. Donc, j'ai reçu cette petite carte un petit peu en avance, mais ça me fait énormément plaisir. Et pour mon anniversaire, regardez ce que j'ai reçu. Donc là, le Graal. On pensait l'avoir pour Noël, à vrai dire. Voilà. Donc, mais non. Dorothée répond au courrier de ses femmes, de ses fans. En fait, vous pouvez lui envoyer des lettres, enfin des enveloppes avec encore une enveloppe à l'intérieur timbrée pour qu'elle puisse du coup vous la renvoyer. Donc bien souvent, ben, vous envoyez des lettres, des choses, des photos. Elle vous les dédicace, elle vous les renvoie. Donc nous, on l'avait fait quand? En octobre? On l'avait fait en début décembre. Ah ouais, début décembre. En espérant l'avoir pour Noël. Bon, on l'a pas eu pour non, Noël. Non, novembre, hein. Je crois. Ouais, dans ouais. Ce jour-là. On lui avait écrit en novembre. Je crois que j'avais mis un petit truc. Hein. J'avais mis que grâce à elle, je chantais, que j'étais devenu chanteur. Enfin, plein de belles choses, en fait. Et bah, du coup, j'avais pas reçu pour Noël. Donc, je me suis dit, bon... Puis comme elle a sorti un film il n'y a pas longtemps, je pense qu'elle était très occupée. Oui, et elle vient dans les bureaux, enfin dans ses anciens bureaux pour signer les cartes. Bon, j'abrège. Mm-hmm. Donc là, du coup, j'ai reçu la fameuse carte postale, regardez, juste ici. Donc c'est en fait la pochette de son album Les Neiges de l'Himalaya. C'est mon album préféré, en fait. J'adore cet album. Voilà. Et du coup, elle a écrit dessus « Bisous Anthony, Dorothée 2024 ». Voilà. Ouais. Donc du coup, elle l'a bien signé en 2024. Voilà. Et ne me dites pas que c'est pas Dorothée parce que c'est bien son écriture, parce que je la connais. C'est Dorothée qui écrit. Voilà. Bah voilà. Okay. Donc Dorothée vit en Normandie vers Audrey et Mika, apparemment. Oui. Elle a toujours sa maison à Paris et une maison également en Bretagne. Non, en Normandie. Oui. Ouais, c'est ça, en Normandie. Donc pas loin d'Audrey et Mika. Et ben en fait, quand elle revient sur Paris, dans les anciens locaux de sa maison de disques, elle signe en fait tous les courriers des fans qu'on lui envoie et ensuite il les renvoie. Voilà. Donc j'ai reçu pour mon anniversaire, pour mes 34 ans, la signature, un autographe de Dorothée. Voilà. Donc la boucle est bouclée et là, franchement, je suis trop posant. Il est fait un fou. Ouais, franchement, je vous jure, j'ai reçu ça, j'étais trop content. Je l'ai mis sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde m'a dit, oh, t'as de la chance, Dorothée. Voilà. Je dis, ouais, je sais. Donc voilà, franchement, ça me fait super plaisir. Même Isa Gabi, tout ça. Franchement, je m'y attendais, ouais, mais vraiment pas du pas. Tout, franchement. Et moi, ça me touche vraiment beaucoup parce que quand les gens prennent de leur temps pour m'envoyer un petit truc, alors c'est vrai qu'il y a toujours les messages et choses comme ça, mais quand c'est des gens d'Internet, de la magie de YouTube, comme on disait, hein, comme on a dit souvent, bah, qui vous écrivent des petites attentions comme ça, bah, franchement, moi, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversé. Ouais, franchement, ça m'a bouleversé parce que je me dis, bah, elles ont pensé à mon anniversaire parce que je l'ai pas beaucoup dit sur les réseaux sociaux, hein, mais elles s'en sont souvenues. Le four est chaud. Elles s'en sont souvenues et elles se sont dit, oui, bah, du coup, pour son anniversaire, on va viser dans le mille avec Dorothée. Voilà. Exactement. Ouais. Ce qui est très gentil. Ouais.
Donc, bah, Isagabi et toute ta famille, bah, du coup, je vous fais de gros bisous. On vous embrasse. Ouais, on vous embrasse. Aussi, voilà. Bon, le fils est fatigué, le pauvre. Voilà. Bon, on vous reprend demain, il hein, n'y a pas de souci. Oui, on reprend hein, demain, dans tous les cas, voilà. Mais donc, vraiment, dans cette séquence, oui, on vous fait de gros bisous. Ouais, on vous remercie énormément voilà, pour ce parce que geste. Franchement, entre les petites cartes, ça, franchement, c'est super gentil, vraiment. Donc, en plus, du coup, hier, le live s'est coupé. Ah, Isa, oui. Je suis désolé, on est parti se coucher. Alors, du coup, je sais que tu as repris après, donc voilà. Je te laisse voilà, finir. On vous reprend dans la séquence d'après. La flamme que chez chaude, les capucins. Bisous. Bonjour les capucins, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 3 février, non pas le 4. Et il est 10h50. Bon, je dois tout de suite pendre le linge. Je vais aller chercher un colis chez Carrefour. Je dois déposer deux pantalons chez la couturière. Je dois aller à la piscine assez rapidement. Il faudra que je pense aussi à aspirer ma voiture, je pense tout à l'heure. Enfin. Bon, le programme est chargé aujourd'hui, donc je vous laisse et je prends le linge. Et je vous reprends après, évidemment. Coucou, je suis à la piscine. Je suis tout seul dans le vestiaire parce que j'ai un peu discuté. Il est un peu tard. Donc là, je me sèche et je vais aller rincer mon maillot de bain. Et après, je retrouve Anthony et on va, je pense, aller à l'appartement déposer les affaires. Et ensuite, il faut qu'on achète une bonbonnière et autre chose, mais je ne sais plus. Donc là, je me prépare, je me sèche les cheveux. Et on va repartir. Donc là, on est chez Babou, ouais, enfin chez BM. Ce qu'on cherche. Eh, on dirait toi. Il n'y a rien de beau en fait. Ils doivent en avoir un petit peu, mais. Ah, mais elles sont en vert. Mais tu vois, c'était un peu ce style là. Ben, est-ce que tu arrives à mettre ta main là? Ben là, pour le coup, oui. Ouais, ça. Ouais, tu vois. Essaye-toi de mettre ta main. Ouais. Bon, on va prendre ça. Mais il faudra pas la mettre sur la machine. Hein. Bah là, non. Puis même pas au-dessus du meuble, là où il y a. Bah, ce qu'il faudrait faire, c'est faire de la place. Ah, mais tu sais, j'ai un bac qui me sert à rien. Faire de la place sur le truc où il y a la chaîne IFI, libérer un truc. Ah, quoi que. Ouais, je sais même pas si ça rentre, hein, ça. Ah, y a bah, tiens, ça, c'est pour toi, pour ta cantine. Bah non, bah, moi, j'en ai pas besoin. Il y a pas mal de petits trucs sympas, hein. Eh hey, Pierre, là, l'eau de 6 mini récipients, t'aimes bien ça? Ça c'est pratique, ouais. Le pauvre, je l'incite à tout acheter. Et Robin, ça pour les légumes, c'est bien ça, non? Ouais, mais les légumes, on les met dans le bac du bas. Donc. Ouais, mais tu remets ça par-dessus. Non? Ça va pas être pratique, hein, la poignée. Ah, pour chez nous, le chat, c'est bon, hein? Bah, à la place de Storyble Lamp qui a. Ouais. J'ai le doigt épais. Je viens de lui dire, c'est ma capitale, toi, trop épais. Quoique, non, en plus, moi, j'ai les doigts très. Très pas beaux, moi. Bah, j'ai les doigts plus fins que toi, non? Et là, on fait. Qui est-ce qu'on imite? C'est Lazara. Lazara, la représentante de l'Eurovision. Comme ça. Et après, elle a fait comme ça. Que... Oui. Regardez déjà ce que fait Robin. Oui. Parce que quelqu'un m'a demandé ce que je crochetais. Eh ben, je crochette des petits paniers. Donc, le chien, on l'avait acheté au marché de Noël de Montbéliard. Oui, oui, c'est ce moment qui crochetait. Ouais, hein. Chez des gamines qui étaient vraiment pas sympas. Oui. Et ça, c'est Robin qui fait. Donc, on a plusieurs partout dans l'appartement maintenant. Et donc, c'est mes petits paniers. Voilà, mais donc, et... tout ça, je le dois à Laureline. Parce que sans Laureline, il n'y aurait pas eu de... De l'or entre les mains. Ouais, il n'y aurait pas eu. Merci, Laureline. Laureline, c'est ma collègue de boulot. Ouais. Donc, vous avez vu un petit peu la piscine où j'étais ce matin. Vous avez vu quand on était dans les magasins. C'est ça. Et là, on va vous faire un petit retour de nos courses.
Et on a fait des petits achats, des emplettes. C'était, en fait, c'était pas prévu. Évidemment, on est allé pour un truc. Et on a repris plein de choses. On a repris plein de choses. On devait simplement avoir une bonbonnière et une tondeuse. Une tondeuse, ouais. Mais je voulais également des lunettes de soleil que je ne trouve pas. Et voilà. Donc, on a pris des petites choses en plus, mais c'est de l'investissement. On est passé chez Action en premier parce qu'on voulait voir les fameuses bonbonnières. Voilà. Alors, j'ai repris les bacs, vous savez, de rangement dans le frigidaire. Ça, j'adore. C'est vrai que Romain dit que c'est pas pratique, mais vous prenez le machin, vous avez tout à l'intérieur. Ça crée une perte de place, moi, je trouve. Ouais, mais même dans les placards, tu sais, quand on met les gâteaux, les trucs comme ça, là, regarde, tu mets tout dedans. On a pris deux dry food storage. C'est très joli, très joli accent anglais. C'est joli. Des dry food storage. Mais ceci étant dit, on peut mettre, parce qu'on avait acheté de la lessive en poudre, l'extra, on pourra mettre une partie dans ce qu'on va vous montrer après, et une autre partie plus usuelle dans cette. Oui, dans ça c'est le stock. Mais est-ce que tu as des petits doseurs Oui, j'ai les trucs des shakers. Hein. Ouais, mais c'est bon, j'ose pas. Bah oui, les miens, ceux que j'avais dans mes way, là. Je crois qu'on les a. On a cassé au fur et à mesure, ça, je sais. Bah non, mais j'en ai. Mais de toute façon, là, dans mes protéines, j'en ai dans les shakers. Bon, bah, on prendra une cuillère de shaker. Ouais. Mais j'osais pas lui demander, à vrai dire, mais au moins, c'est bon, on aura ça. C'est mon téléphone. Voilà, donc deux comme ça. Alors, et du coup, là, on va passer au hall BM. Oui, donc, chez nous, vous savez que c'est rose poudré. On adore j'adore le rose. Mais ça, c'était pas prévu. Hein. C'était pas prévu. Mais c'est vrai qu'on a craqué sur ces petites lampes parce qu'en fait, dans le salon, on a une horrible lampe, une affreuse lampe. Bah, que m'a offert mon père. Ah, merci, papa. Bon. Donc, du coup, on a repris cette petite lampe rose. Regardez comme elle est mignonne. Elle, en plus, elle est arrondie comme mes plantes grasses. Moi, ouais, voilà, regardez, elle est toute arrondie. Et on dirait un peu tes fesses, là. Oh, d'accord. Donc, la petite lampe avec. Les ampoules, parce que prudent, ce ne sont pas des E27. Parce que moi, j'ai toujours été habitué à avoir des lampes à goulot. Goulot E27. C'est pas culot. Culot, pardon. Oui. Or, ce sont des E14. Les connaissances, Bac-moins 5. Bon, c'est du F, hein. Bon, bah après. Oui, après on l'allume que le soir, hein, tu me diras. Oui. Parce que mine de rien, là, en fait, on doit allumer la lampe combien de temps par eux? Par jour. Une heure, même pas. Parce que jours moins. La lampe, on l'allume quand on mange. Quand on dîne. Quand on dîne le soir, quand on soupe, mais après on va dans la chambre. Donc, oui, mais bon, voilà. Ça se trouve, celle de ta chambre est tout autant. Oui, ça se trouve, elles sont peut-être énergivores. Non, parce que les dernières lampes ampoules que j'avais achetées, je prenais quand même des basses consommations. Ah, bon, bah. Mais Robin voulait une Energizer. Donc, j'ai pris celle qu'il y avait, à vrai dire. 250 lumens, c'est suffisant parce qu'il ne faut pas que ça nous éblouisse non plus. Voilà. 400, ça aurait peut-être fait trop. Ça aurait peut-être fait trop. Donc, chez BM également. Alors, moi, avant toutes les influenceuses sur TikTok, parce que moi. Tous ces produits-là, moi, je les ai connus il y a déjà longtemps, quand j'allais en Angleterre. Eh oui. Je voulais des Scrub Mommy. Mais d'habitude, c'est pas les Scrub Daddy. Ah si, ouais, de la marque Scrub Daddy. Ah, oui. Donc en fait, vous savez, c'est les éponges là, que vous pouvez mettre au lave-vaisselle pour les laver. Ouais. Moi, j'en avais acheté une il y a longtemps. Et puis après, il y a eu un peu la folie, puis ça m'est un peu passé. Mais on a beau dire, c'est franchement ça pour nettoyer en fait, le plan de travail. Parce que des fois, on a des petits... Des petits accros. Il y en a des petites... Des petites taches, voilà, avec les lavettes, on n'arrive pas forcément. Et nous, on prend plus d'éponges, vous savez, les sponges brites. Non, on prend soit des... On avait acheté au Cora des éponges en microfibre, qu'on lave. Oui, elles sont bien, mais elles sont un peu moins abrasives que celles-ci. Voilà. Et il y a également cette petite, à la petite sœur, qui est à peine plus souple. Donc ça, c'est plus pour la vaisselle. C'est la ptiote du village. Et après, moi, j'ai pris des petits contenants. Parce que moi, j'ai mes bento, parce que moi, vous me direz, il a une cantine, pourquoi t'as besoin de ça? Oui, parce que je ne mange pas tout le temps à la cantine non plus, des fois je fais attention. Mais qu'est-ce un bento? Qu'est-ce un bento, vous voyez, on mettra peut-être une image si vous ne voyez pas, mais c'est deux compartiments, en fait, c'est comme les Japonais ont, oui. C'est des tupes, c'est les gamelles des Japonais. Oui, avec l'accent franco-comtois, c'est les gamelles des Japonais. C'est les gamelles des Japonais, c'est les gamelles des Japonais, des nippons. Et donc ça me permettra de mettre des petits, soit un peu de sucre, un peu de miel, un peu de sirop, je ne sais pas. Mais je pensais que tu faisais attention à ta ligne. Oui, mais je peux mettre aussi de la vinaigrette. Et mettre de l'huile d'olive extra vierge bio. Attention. Du moins de la puget, minimum. Ouais, tu vas pas mettre graillot là-dedans, hein. Ça sera toujours mieux que rien.
Et du coup, enfin, on en voulait en plastoc, on en a pas trop en plastique, mais il faudrait qu'on commande sur Amazon ou Chine. Alors, c'est une catastrophe ça, mais bon, c'est pas grave. Le problème, c'est que ça, si ça vient à tomber agressif dedans, je vous dis pas. Hein. Est-ce que tu l'auras montré ? Ben, deux secondes ! Oh, bah, celui-ci, il a regardé. Voilà, donc, la bonbonnière, juste ici. Donc ça, faudra pas qu'on la laisse sur la machine quand elle est sort, parce que là... Bah non, on mettra dans le petit meuble laqué blanc. Voilà. Ensuite, nous sommes allés chez... Cora, non, chez Auchan. Non, chez Auchan. Chez Auchan. Au magasin de Laureline. Aux Champs-Élysées. Parce que Laureline, elle va souvent chez Auchan. Et moi, ça me rappelle quand j'étais en Alsace, parce que j'allais beaucoup chez Auchan. Bon, alors oui, la tondeuse, la Babyliss, elle est bien légère parce qu'on l'a mise à recharger. Donc. Oui. Robin, le Robinus, Minus, Nunus, voilà, faudra que je coupe les cheveux. Oui, parce que je ne vais plus chez le coiffeur, Il n'y a plus chez le coiffeur. En fait, je vais vous raconter ma vie. Une fois, j'ai coupé les cheveux de Robin et c'est vrai que je ne me suis pas foulé. Au confinement. Hein, au confinement, et ma tondeuse, en fait, c'était un peu la cata. Et je ne pouvais pas beaucoup régler, alors du coup, je lui avais coupé les cheveux très courts. Bon, c'était joli quand même. C'était fait. C'était coupé. C'était voilà. Fait. Et ensuite, mes tondeuses, c'est des tondeuses à barbe que j'ai. Donc moi, je me coupe légèrement les cheveux avec, parce que je me coupe les cheveux. D'ailleurs, là, ils sont très courts. Hein. C'est une catastrophe ce que j'ai fait. Bah non, allons. Mais je me coupe les cheveux depuis 2010. Hein. Voilà, pour que vous ayez une idée. Oui. Et vraiment, moi, je me les coupe très bien. Mais c'est vrai que moi, j'hésite pas à les tirer ou machin. Moi, je suis insensible à la douleur. Mais quand je le fais sur Robin, il aime bien quand, voilà, quand ça tire pas, ce qui est normal. Bah, moi, les coiffeurs, ils me tirent pas les cheveux, donc j'aime pas qu'on me le tire. Oui, mais. Parce que je vais faire la va-vite aussi. Bah, faut pas. Non. Une fois, donc je vais couper les cheveux, j'ai un peu tiré parce que je vais faire la va-vite. Mais les fois d'après, ça n'a plus tiré. Oui, mais bon, si on te reprend pas, t'as vite tendance à râler vite. Hein, donc. Donc, on est sur les tondeuses reprendre. Que j'avais n'étaient pas adaptées pour couper des cheveux réellement. C'était des tondeuses à barbe. Donc là, pour le coup, on a acheté une vraie tondeuse pour les cheveux, pour couper les cheveux de monsieur. Bon, donc cette tondeuse a coûté 49,90€. Voilà. J'espère qu'elle sera bien. Mais en tout cas, moi, je voulais une tondeuse avec un seul sabot et le réglage des millimètres en tourniquet, en molette ou en cran. Or, beaucoup étaient avec simplement plusieurs sabots et c'est con, c'est chiant parce que faut les sabots, vous enlevez, vous leur mettez le machin, puis ouais. Alors puis moi, je me suis opéré les yeux, mais maintenant je suis comme les vieux, je vois plus de près. Alors maintenant je suis comme ça. Et puis moi, j'ai pas mes lunettes quand ils me coupent les cheveux, donc c'est pour regarder. Ben nouveau, je suis embêté. Mais tu te rappelles un coup, j'avais coupé les cheveux de Charlotte et on avait mis un retour de course de Julie Bulle. Tu te rappelles ? Oh bah c'est il y a trop longtemps. Bah ouais. Je me souviens pas. On était MDR parce qu'elle a acheté les brosses à dents Eco Plus. Puis on était étonné que ça existe les brosses à dents Eco Plus. Oui, évidemment tout existe. Ouais, apparemment Eco Plus fait tout, hein, donc ça nous avait étonné. Donc voilà. Et c'est vrai que la dernière fois que je t'ai coupé les cheveux, on avait mis Isa Gabi aussi. Oui, la Isa. Bon, bah les capucins. Vous savez quoi, je vous filmerai après quand j'aurai fait sa coupe de cheveux. Oui. Hein ? Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Alors, les chats. On va remplir la bonbonnière. Oui. Alors, je vous reprends dans la salle de bain. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc, bon, c'est un peu serré, mais voilà, on s'est fait un petit coin au-dessus. Oula, j'avais mis le zoom. On a fait un petit coin lessive, hein, tout simplement. Donc, on a mis les adoucissants. Alors, nous, on n'est pas du style à faire du stock. Bon, le meuble, c'est un peu... Franchement, ouais, là, putain, tout est mélangé dans le meuble. Bon, on fera comme ça. À la rigueur, les stocks, je les mets en bas. Et au-dessus, je mets les produits qu'on utilise. Donc voilà. Et puis là, voilà, le petit coin lessive, donc c'est pas nos petites lavettes. Bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, moi, ce sera toujours mieux. Voilà, les capucins. C'est bon, on va commencer. On commence et on regarde Sandra Papillon. La belle Sandra Papillon. Tu peux y aller. Ouais. Donc voilà le résultat. Donc j'ai fait un petit dégradé. Voilà. C'est pas parfait, mais bon, c'est très bien. Donc là, on a un petit peu lissé le haut. Alors, Robin n'aime pas trop avoir lieu de frange, donc on a un petit peu coupé en biais, comme ça, voilà. Donc voilà, les abonnés, les petits capucins. C'est un peu le bordel, là, quand même. Regardez les petits bacs qu'on a achetés chez Action.
On devait pas mettre la poudre là. J'ai regardé le poudre. Bah si, avant que tu fasses. C'est vrai que c'est compliqué parce que Romain perd ses cheveux, donc du coup, aller faire une belle coupe. Alors ça, c'est le sujet qu'il faut pas. En fait, pour faire simple, pour ceux qui pensent. Non, je veux pas qu'il voit. Il a un gros complexe. En fait, il met une espèce de poudre pour masquer là. Donc là, il y a pas, même ce qui sort de la douche. Mais en fait, il pense qu'il a une calvitie alors que pas du tout. C'est juste qu'il a une implantation du crâne, en fait, qu'on ne voit pas quand il a les cheveux bouclés. En fait, quand il a les cheveux bouclés, si vous voulez, là, les cheveux bouclés, on ne voit pas cette espèce d'implantation. On voit bien que l'implantation se fait ici. Mais quand on lisse les cheveux et qu'on les rabat sur le devant, c'est vrai que, bon, forcément, on a un peu moins de matière ici. Et ça, le complexe. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, c'est pas, moi, je trouve que c'est absolument pas choquant. Mais il met de la poudre le matin pour masquer cet espace. Voilà, donc... Et chez beaucoup de personnes, donc moins chez les femmes qui ont les cheveux longs, hein, ça ne se voit pas. Mais sauf chez... comment ? Sauf chez Charlotte. Ah oui, oh la pauvre Charlotte, ah oui, elle a plus de cheveux sur le dessus. Hein. Bon bah du coup, c'est l'heure du repas. Donc comme d'habitude, le week-end, on se fait toujours plaisir. Et évidemment, devant le retour de course de la belle Isagabi. Oui. Voilà. Avec toutes ses cartes derrière. En tout cas, elle est gentille, elle. Bien sûr qu'elle est gentille, elle. Bon après, ta lampe, elle est belle, mais... En fait, elle est pas belle. Ben, en fait, c'est dommage parce que le rose de la, qu'on appelle ça, de l'abat-jour, c'est ça? Ouais, ça rend orange. Et en fait, il rend saumon. Bon, c'est pas grave, hein, mais Je sais pas si on la gardera. Non, quoi. Ou alors, on aurait dû prendre l'ampoule qui éclairait plus, hein. Non? C'est peut-être parce qu'elle éclaire pas assez. Bon, bref. Je sais pas. Alors, pour ce soir, donc, chez Cora, on avait acheté, vous savez, de la flammenkuchen. Franchement, elle est super bonne, hein. Elle fait quand même pas trop pâtir. C'est immense, Cora. Bon, ben, il s'est pris des chips, hein, je précise. De la bière. Et du coup, on a fait... Alors, il nous restait une petite endive. On l'a quand même terminée. Donc là, il y a une petite salade d'endives. Des épinards. On les digère mieux. Hein. Donc, avec des tomates et puis des croutons. Alors, on a pris toutes les sauces là. Mais je pense qu'à mon avis, on va prendre celle-ci. Elle est faite maison. Je mets toujours du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, un petit peu. De l'huile de tournesol et puis pas mal de condiments. Hein. Moutarde, évidemment. Elle est super bonne. Comme vous. Puis, je mets un petit peu de magie dedans. Ou de Maggie pour les Alsaciens. Du Maggie. Bah voilà les capucins. Oui. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On vous dit à demain. À demain. Salut. Au revoir. Oh, et ben, rebonjour les capucins. Bonjour. Bonjour les séquences. Alors, nous sommes le 4 février. And it's my birthday. Bon anniversaire, Anthony. Merci. Et ben, déjà, merci à tout le monde pour vos petits messages. Ça m'a fait super plaisir. J'ai reçu plein de beaux messages de tout le monde. Oui. Franchement, c'était trop gentil. Je suis trop content. Voilà. Et ça, c'est les cadeaux de Robin. Voilà. Ah, c'est des petites niaiseries. C'est des petites choses. Alors déjà, regardez, il m'a fait une carte. Je vais vous la montrer. Bon anniversaire, le chat. Là, regardez juste ici. Et à l'intérieur, regardez ce qu'il y a. J'ai plein dessiné. Il a fait mon lapin canaille. Donc c'est Canaille et je vous emmerde, du paradis, je bouffe du pain, puisque Canaille adorait le pain, mais c'était pas bon pour lui, donc il pouvait pas en manger. Et il nous emmerde. Alors, voici ce que Robin écrit également à côté de Canaille. Pour son anniversaire, donc le chat aura un petit présent, un petit cadeau et un petit virement pour ses petites emplettes. Alors ça, c'est vraiment gentil, Robin m'offre de l'argent pour que je puisse m'acheter des petits cadeaux. Oui, parce qu'après, s'il fait des achats sur mon compte Vinted, après, moi, je m'en sors plus au niveau des finances. Donc, pour l'organisation, je préfère qu'il s'occupe sur son compte. Je suis trop content, franchement. Donc là, je suis comme un gosse, je vais ouvrir mes cadeaux. Je commence par lequel ? Allez, celui-ci. Allez, le gros. Le gros, c'est moi. Bon, c'est des qui s'attendent pas non plus à des trucs exceptionnels. Hein. C'était vraiment en accompagnement. Hein. Ah, c'est le chat de Facebook, c'est Pushin. Wow, trop bien. Regardez ces Pushin. Alors pour info, moi j'adore les Pushin, ce sont des chats que vous trouvez, vous savez, dans Messenger, quand vous écrivez vos messages, vous avez des chats. Et le chat s'appelle Pushin, et j'en ai plein dans l'appartement. Pas tant que ça, malgré tout. Pas tant que ça non plus, mais j'en ai quelques-uns et c'est rare à trouver. Et là, bon, ça, c'est une lampe, soit sur pile, soit sur secteur. Bon. Ah, cool. Alors, on a parlé l'autre jour, alors je me suis dit... Ouais, cool, regardez le chat. Salut. Et en fait, souvent, les gens me comparent à ce chat-là parce que c'est un gros chat. Voilà, c'est un matou. Et ouais, je trouve ça trop classe. Bon, bah, du coup, c'est vraiment pour accompagner. Bah ouais, mais c'est moi, franchement, je suis trop content parce que bien souvent... on m'offre, enfin les gens qui me connaissent pas et qui veulent me faire plaisir m'offrent des fois des cadeaux qui me plaisent pas forcément, mais là pour le coup,
Ah, et encore un peu Chine. Oui, du coup, je me suis dit, il y a toujours besoin de pousse pour tout, des objets. Ah oui, c'est vrai, ouais, j'ai toujours besoin d'une pousse. Parce qu'on a envie de mettre des stylos, on peut y mettre autre chose. Bah hein, oui, dentifrice. Ça peut faire trop de toilettes. Trop de toilettes. Oh bah elle est belle, regardez. Je sais que c'est juste un accompagnement. Bah non, mais j'aime bien, moi. Regardez à l'intérieur, elle est rose avec des petits pois blancs. Moi j'aime bien, regardez. Puis mange un donut. Voilà. Bah merci le chat. Bah c'est gentil, merci. Vous avez vu, on s'est embrassé. Eh oui, c'est rare. C'est rare, profitez-en. Bah écoutez, les Capucins, vous faites gros bisous. Oui, on fait des gros bisous, on vous remercie ouais. pour le bisou. Et vrai, encore une fois, on vous remercie pour tous les commentaires, toutes les petites attentions que j'ai reçues pour mon anniversaire. Et vraiment, je l'ai dit par-ci, par-là, que j'étais né le 4 février. Oui. Et beaucoup s'en sont souvenus. Et certains des Capucins me l'ont souhaité sur mon Instagram perso. Donc franchement, ça me touche énormément. Ça me fait beaucoup plaisir et je vous fais du coup un gros bisou. Voilà. Bisous les Capuchins. À bientôt. Bravo. Have you ever been in love just for a time? Have you ever been in the dark just for a night? Have you ever seen in the sky a shining star? When the sun goes down, I can feel your dark heart.